Un jour, Fidel Castro et Che Guevara, avant que les country clubs, qui étaient les clubs les plus aristocratiques de La Havane, soient socialisés, ils sont apparus un jour, au grand étonnement de quelques membres qui restaient encore à Cuba, qui étaient en train de jouer au golf, et ils se sont mis à jouer au golf. Et Fidel Castro a dit à Che Guevara, qui était toujours assez... je dirais, qui en général n'appuyait pas ces petites folies. Il a dit, imagine-toi qu'est-ce que ça serait d'avoir des centaines de jeunes en train de devenir des artistes dans ces jardins-là. Ça serait formidable de faire des écoles d'art ici. El programa de conferencias magistrales de arquitectura continúa hoy con la presencia del arquitecto Ricardo Porro, nacido en Camagüey, Cuba, en 1925. Je l'ai conçu d'abord comme une ville. Je l'ai conçu comme une ville avec des rues étroites et des places. Mais plus que ça, je voulais exprimer quelque chose qui était les côtés noirs de Cuba. J'ai voulu capter ces côtés plus violents, plus sexuels, plus forts, qui a une implication tout à fait religieuse. C'est-à-dire que l'école devenait une femme, mais c'est plus qu'une femme, c'est une espèce de déesse de fécondité. L'entrée est comme un entonnoir, où il n'y a pas de porte. Que les bâtiments reçoivent, ouvrent les bras, mais en même temps qu'ils puissent avoir quelque chose du terral, et que tout ça devienne un espèce de chemin initiatique qui arrive au milieu de la place où se trouve le point culminant. Muchas veces, la végétation. En français, oui. Ah. Beaucoup de fois, la végétation a été choisie comme des plantes de feuilles très fines et longues qui donnent la sensation de poils dans les interstices, n'est-ce pas? Et vous les voyez là. L'école, évidemment, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est une chose extrêmement dynamique qui incite toujours les spectateurs à bouger les dents. Et c'est la partie, et ça c'est la culmination, cette partie-là. C'était conçu comme le fruit, comme le sexe féminin du bâtiment qui est femme. Et ça, c'est la culmination de tous les cheminements que nous venons de faire. Quand l'élève, après avoir été devant un saint, il rentre dedans,
la coupole lui donne la sensation du cosmos. Et c'est ça que j'ai voulu faire. C'est la première fois, cette école, où je fais un saut mortel, où je ne travaille pas avec des influences des autres, mais la première fois où Ricardo Porro est Ricardo Porro. Donc il y a la rupture avec Cuba. Oui, effectivement. Et déjà, quand j'étais en train de construire mes écoles d'art, il s'est posé le problème qu'on voulait les systèmes de préfabrication de l'Union soviétique et de l'Allemagne de l'Est. Et effectivement, les genres d'architecture que je faisais n'entraient pas dans leur cadre. Ils voulaient autre chose. Ils voulaient faire ces espèces de boîtes qu'on a fait partout, préfabriquées. Je ne suis pas contre la préfabrication, hein. Mes bâtiments, dans mes bâtiments, on emploie toujours la préfabrication, mais pas contre la préfabrication bête. Et je trouve que ce système était très bête. À l'extrême, que je n'avais plus de place à Cuba. Et bon, j'ai dû partir. Le bar de la Courneuve, c'était le plus grand désastre qu'on puisse imaginer. Parce que c'est un désastre qui était mondial. Et Le Corbusier a proposé un urbanisme et qui est la destruction carrément de la ville, la destruction, la non-existence de la rue, la non-existence de la place, la fin du mystère. Et je fais les parenthèses que Le Corbusier était un très grand architecte. Les 4000 de la Courneuve ont été construits par l'office HLM de la ville de Paris pour reloger au fond les couches sociales dont la ville de Paris, à l'époque, voulait se débarrasser. Ça a été réalisé dans les années 60. Et 20 ans après, la ville de la Courneuve a d'abord demandé à reprendre le patrimoine, ce qui était courageux de sa part, et d'autre part, a décidé en son conseil municipal, en 80, je crois, période forte et ambitieuse, de démolir 1700 des 4000 logements, c'est-à-dire les barres les plus dures, les plus longues, les plus hautes et techniquement les moins solides. Malheureusement, les ministères successifs, à partir de 80, ont refusé cette perspective, lui substituant celle de la réhabilitation, donc de la consolidation au fond de cet urbanisme inqualifiable. Et seule une barre de 300 logements, la barre de Bussy, a été démolie. Et à la place, la ville nous a demandé d'édifier un petit quartier de l'Ormesol avec plusieurs architectes. Catherine Furet, dont c'était le premier projet, une élève de Henri Gaudin. Les frères Goldstein, qui en ont fait aussi 120 environ, et enfin Ricardo Porro, qui a construit 90 logements. Donc c'est un ensemble, pour ma part, que je trouve tout à fait réussi, tout à fait intéressant, certes confronté à la réalité des 4000 qui jouxte ce petit quartier nouveau. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si le ministère avait laissé la ville dans ses intentions, eh bien l'essentiel des bars de la Courneuve serait disparu et que sans doute à la place il y aurait des quartiers tout à fait intéressants, vivants, humains et urbains. Nous avons voulu à un urbanisme des contacts humains et justement qui englobe un groupe humain au milieu, qui les renferme, qui les rapproche. Et c'est justement ça, c'est un retour à une échelle que le reste du quartier n'avait pas. A été conçu dans un terrain très difficile, très étroit, très petit, comme un petit village. Ça aurait pu être une barre, un bâtiment simplement. Nous l'avons conçu
mon associé Renaud Lanoux et moi, comme un petit village avec une rue étroite et une place. De façon que quand les gens se sentent dedans, ils sont dans un village. Ils sont dans une vie urbaine. Mon problème, c'est de poétiser. Mon problème, c'est d'être un dichter, de dire. Et chaque bâtiment, pour moi, est une possible image poétique différente. Et pour cette image poétique, je dois réinventer les formes. Et les fenêtres aussi, pourquoi elles sont mises comme ça? Les fenêtres, et simplement, c'est une façon de le faire qu'il ne soit pas mort, qu'il soit vivant. Et qui, au lieu d'avoir des fenêtres toutes bêtes, et les fenêtres fassent comme une espèce de musique qu'elles bougent avec un rythme, mais comme un rythme musical. C'est pour ça qu'elles vont de haut en bas. Mmh. Oui, oui, oui. Et la même histoire dans la salle à manger, qu'il y a des fenêtres qui créent comme une espèce de rythme, une musicalité. Et c'est vrai que j'aime beaucoup que l'architecture soit très musicale. Elsa Triolet est placée à Saint-Denis, qui est l'endroit où le gothique est né, dans la basilique. Et nous avons conçu ça avec un respectant ce qui pourrait être l'essence de l'esprit français, c'est que les bâtiments expriment d'une certaine façon la structure de la pensée. Dans les gothiques, avec la clarté de la structure, la structure si évidente, nous avons fait que l'intérieur soit un peu comme ça, que toute la structure se montre, et se montre d'une façon très riche. D'abord, la première fois, je me suis un peu perdue. J'ai tourné trois fois, parce que je pensais pas que c'était un collège. Je pensais plutôt que c'était genre gymnase. Je trouvais que ça ressemblait pas trop à un collège. Quoi. Je connaissais pas. Et c'est vrai que ça nous a d'abord étonné l'architecture par rapport à nos vieux bâtiments, à tout ce. C'est vrai qu'on a d'abord été étonné. Après, comment dire. Enfin, je sais pas moi, c'était. Ça, justement, cette clarté, c'est ce qui nous a le plus. Ce qui nous a le plus. La clarté. Parce que là-bas, c'était tellement sombre et encaissé que cet espace, ces espaces, voilà, l'espace, bien qu'il ne soit pas très, très, très grand, il était bâti sur un terrain pas très grand, et on a cette impression de grands espaces, voilà. Les bâtiments avaient deux ailes. Et nous avons pensé qu'une image très bonne pour superposer au bâtiment, c'était l'image de la colombe. Pourquoi ? Parce que la colombe est un très ancien symbole de la connaissance. Et
Et en plus de ça, tout oiseau est un symbole de spiritualité. Et tout ça pour un collège, nous avons trouvé que c'était quelque chose de bien. Ça fait une belle forme, les ailes de la colombe. Après, avec le bec, tout ça, quand on a une belle vue de la cour, quand on va tout au fond de la cour, on a une belle vue. Hein? C'est super, comme on dit. Mais oui, il a la forme. À l'entrée, on voit, il y a le grand bec, où il y a des refuges pour les pigeons. Donc, des fois, on a des crottes qui tombent sur nous. Le mur du collège, il est fait de belles dalles. Non, des briques. Orange. Et c'est joli. C'est beau à voir. Il y a des plantes et tout. Quand on passe dans la rue, le collège ne passe pas à inaperçu. On regarde, on tourne la tête. C'est souvent qu'on voit les passants et ils regardent. On est obligé de le voir, le collège. Non, moi, je trouve ce qui est bien, c'est quand c'est Noël, eh ben, les ailes de la colombe sont recouvertes de neige. Ça fait beau. Il y a une couche de neige. Ça fait beau parce que quand on n'a pas cours, des fois, bon, moi, ça m'arrive de passer devant. Puis... je reste quelques secondes. Voilà. Alors je me dis, ça fait plus beau quand on n'est pas dedans que quand on est dedans. Parce qu'avec nous, ça gâche un petit peu. Carré, rectangle ou triangle, c'est mieux un oiseau. Puis quand on passe c'est comme si on était spécial. Original. C'est ça, spécial. C'est vrai, en plus, on est spécial. L'impression d'être spécial, hein, comme il dit, c'est vrai que ça a attiré beaucoup, beaucoup d'élèves de Saint-Denis. C'est-à-dire qu'on a cherché à avoir des dérogations pour venir chez nous dans un premier temps. La beauté du bâtiment, le fait qu'on ait fait ça pour les élèves, ça, c'est vrai que ça a été vécu comme ça beaucoup. Des enfants qui venaient de l'autre établissement, qui était de structure ancienne. Je pense qu'ils ont très bien fait la différence, et lorsqu'ils sont arrivés, ils y vivaient mieux, ils faisaient très peu de bêtises. Et je crois qu'à l'œil, c'est quand même plus agréable de voir une structure avec la queue, là. Avec cette forme arrondie. C'est vrai que cette douceur des formes, je pense qu'elle réagit sur nous tous. Et qu'elle nous aide à mieux vivre, quelque part. Les professeurs, les élèves, mais aussi les parents, l'administration, a participé à la conception du collège. Et l'architecte, donc M. Porreau, a tenu compte des avis qui ont été donnés et il a même retenu des propositions qui ont été faites par les enseignants, notamment. Je pense qu'on est habitué encore à fonctionner chacun dans sa classe. Et ça, ça limite les choses. Mais c'est vrai que ici, l'architecture nous permettrait sans doute d'autres possibilités. Le forum pourrait sans doute être employé pour casser justement les classes, par exemple. Les petits jardins, je pense que c'est quand même une idée intéressante. Il faudrait avoir peut-être plus d'imagination, je sais pas. C'est assez intéressant de faire dessiner les élèves sur des formes architecturales de la sorte, parce que y a toutes ces courbes, ils apprennent à trouver le contraste entre des bâtiments comme ça, très rectilignes, et puis les courbes, comment est-ce que cette courbe-ci se développe dans l'espace, comment est-ce qu'elle se rejoint avec l'autre là-bas qui est le toit de la documentation. On a fait des dessins d'observation qui étaient assez intéressants. Je pense qu'un collège est toujours forcément un compromis entre d'une part la volonté de création de l'architecte, son imaginaire, les formes qu'il voudrait inventer et construire, et puis la rationalité de l'entreprise qui, elle, pense essentiellement
à son économie. Et quand je dis économie, ça veut dire aussi à sa marge, à son profit. Et donc, ces collèges, aussi beaux soient-ils, sont toujours le résultat d'une tension. Et il faut que l'entreprise accepte de construire les choses proposées par l'architecte dans des prix courants, ce qui, naturellement, n'est pas toujours le cas. Au fond, c'est un espoir, c'est que faire des beaux collèges, en fait, ça ne coûte pas plus cher que faire des collèges tristes ou répétitifs. Moi, ce qui m'a plu, c'est la première fois que je suis venue, c'est dès que je suis rentrée dans le hall, le jour de la rentrée des classes, c'est les colonnes et les escaliers comme ça qui tournent en courbe, et tous les couloirs qui partent sur les côtés comme ça. Il y a aussi le vitrail à l'extérieur. Ouais. Moi, le vitrail aussi. Je trouve ça joli quand il y a du soleil, mais ça se reflète dans les escaliers. Dans les escaliers, on voit du rouge, du vert, ça fait plein de couleurs comme ça. Ça se mélange et... Et vous pensez qu'il en a fait exprès ? Moi, je pense qu'il a dû aussi jouer un petit peu sur les effets du soleil. Ça m'a impressionnée, j'ai trouvé ça joli. J'ai dit à ma mère, quand on est revenu chez nous, si tout le collège pouvait être comme ça, ce serait bien, parce que j'aime pas ce qui est carré. Ça fait rêver, je trouve. Ça fait rêver. De quoi ? Bah, ça donne... En fait... On dirait que c'est qu'on est plus libre. De sa culture, de sa formation, de ses origines, il est en contradiction. Total, pas une contradiction, mais un rejet de l'architecture moderne. Bien qu'il ait connu, bien qu'il ait pratiqué, bien qu'il en ait connu les principaux acteurs, mais il a pris une position très particulière qui est, bon, au-delà de ce refus, qui est de renouer avec une tradition de ce qu'a été l'architecture dès son origine, c'est-à-dire construire des bâtiments qui ont un sens, une dimension symbolique, qui ont des significations, qui ne soient pas uniquement des choses utilitaires comme on fait les modernes, bien que les modernes les fait parfois de manière magnifique, de façon magnifique. Et je dirais qu'il s'oppose aussi, et c'est ça c'est encore plus intéressant, avec tout le mouvement dit post-moderne, mouvement qui lui aussi produit des signes, mais qui produit des signes sans sens, sans contenu, sans rien du tout. Et je crois que c'est là peut-être le plus grand intérêt que nous trouvons dans l'architecture de Ricardo, c'est-à-dire qu'il dessine, il construit des choses qui ont une signification, même si la signification n'est pas lisible au premier degré. À mon avis, elle est souvent lisible au premier degré, mais il y a des significations secondes, troisième, etc. C'est un peu comme la lecture d'un texte classique, il y a toujours différents niveaux de lecture. Ce que vous voyez là, c'est la sensation presque d'une explosion, comme s'il y aurait une force qui part de la terre, mais une force violente, comme s'il y aurait un éclatement, comme si les voûtes étaient gonflées par cette explosion. La révolution me donnait la sensation, à ce moment-là, de marcher au bord d'un précipice, comme s'il y avait un terrible danger, comme si on était dans un équilibre difficile, n'est-ce pas? Et justement, comment j'exprimais ça? Par toutes ces colonnes que vous voyez là, qui vont dans toutes les directions. On prend un tableau du Greco. Et qu'est-ce que c'est un tableau du Greco? C'est un portrait tout à fait classique, sauf qu'il y a des petits angles qui vont dans toutes les directions. Et ça donne une espèce d'agonie, des sensations de lutte et d'angoisse énorme. Et j'ai voulu donner ça avec tous ces piliers en train d'aller dans toutes les directions. C'est un autre aspect que j'ai trouvé assez caractéristique de ces moments. Quand un danseur bouge un bras ou saute dans l'air, que ça puisse avoir une espèce de résonance dans tout l'espace et que les voûtes donnent la sensation de s'égonfler
par les sauts d'un danseur. C'est-à-dire que pour moi, le fait de faire l'architecture, c'est de faire que l'image et la poésie ne se séparent pas de la vie qu'on mène dedans. Le romantisme que je mets dans l'architecture, c'est un problème de retrouver une dignité perdue qui est pour moi essentielle dans l'être humain. Son orgueil, sa dignité, sa force, et l'exprimer. Thank you.